Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une ouverture de booster, enfin plutôt de vignettes de jeu, de cartes de jeu. Voilà, j'ai pu récupérer ces petits échantillons, ces petits boosters, on va dire, chez Auchan, tout simplement. Alors, je fais pas de la pub spécialement pour Auchan, j'ai aucun intérêt là-dedans. Mon intérêt, en plus, c'est surtout de vous proposer une petite vidéo et ben vous dire ce que c'est que c'est. Alors, ce sont des sortes de vignettes de jeu cosmiques. Donc ça peut être intéressant, on a Superman, on a Wonder Woman, on a Batman, donc ce sont des vignettes de jeu. Alors, je ne sais pas si ce sont des autocollants, je ne sais pas si ce sont des cartes de collection, ou si c'est un jeu. A priori, il y a 3 cartes de jeu et une vignette à l'intérieur de chaque booster. Donc si vous allez faire vos courses à Auchan, effectivement, vous pouvez récupérer ces petits boosters et les collectionner. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir si c'est collectionnable. Voilà, donc moi c'est toujours dans le but de découvrir d'autres jeux de cartes à jouer. Comme vous savez, je fais beaucoup de vidéos sur les Pokémon, sur les cartes magiques de Gathering, voire Yu-Gi-Oh! Et puis c'est bien aussi de découvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce petit booster? Voilà. On a une carte Wonder Woman, astuce santé. Donc c'est une carte numérotée, alors 83 sur 90, donc je ne sais pas si c'est des points de vie. Vous voyez en haut à droite. Hop, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors derrière, ce sont des petits logos, mais voilà, la carte... Se faire plaisir, alors non, c'est juste une carte d'information, parce que c'est écrit se faire plaisir avec une bonne glace, oui, mais pour rester en forme, il est conseillé de limiter sa consommation de sucre à 25 grammes par jour, soit 6 cuillères à café. Donc ce sont des petits conseils, ok. Première carte, ce sont des petits conseils. Alors là, on a aussi un clown avec Wonder Woman, astuce santé, prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi, un geste simple ou un sourire peut apporter beaucoup de réconfort. Là, c'est la 79 sur 90. Je ne sais pas si c'est les numéros, s'il y a 90 cartes différentes. On va voir hein, si c'est ça. Et là, on a une troisième. Donc, on a 3 cartes. Et c'est quoi la vignette? Ok. Alors, on a 3 cartes. Et là, c'est Black Lightning. Début 77, taille 1m85 pour 82 kg. C'est la 19 sur 90. Né avec la capacité de générer de l'électricité, Jefferson Pierce a commencé à combattre le mal sous le nom de Black Lightning en aidant les communautés à devenir plus fortes. Ok. Donc là, on a 3 vignettes, mais alors, c'est pas très clair parce qu'ils disent 3 cartes de jeu et une vignette. Ok, moi ici, j'ai 2-3 cartes. Alors, la vignette, je sais pas si c'est celle-là. Ou alors, la vignette est encore dedans. Alors, je vais ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus le petit sachet, le petit booster. Ouais, c'est collé à l'intérieur. Ça va être compliqué d'ouvrir ça. Bon, et ben, c'est bien collé. Je pense pas qu'il doit y avoir grand-chose à l'intérieur. Ok, bon, bah je vais aller de l'autre côté, on va l'ouvrir de l'autre côté. C'est vrai que j'avais pas prévu. Et bah voilà, il y a quelque chose à l'intérieur, les amis. Alors il faut bien faire attention, il y a encore quelque chose à l'intérieur. C'est bien ce qui me semblait. Alors voilà la vignette. Alors attention quand vous déchirez, mais voilà, vous avez une vignette, il me semblait bien. Alors il disait justement dans chaque petit booster, c'est 3 cartes de jeu et une vignette. Voilà la vignette. C'est une vignette holographique. Ok. Ok. Bon, allez, on va continuer, on va voir les autres. Alors, je vais essayer de tout sortir avant que... Voilà. Donc, il y a une vignette holographique dans chaque booster. C'est dommage parce qu'elles n'ont pas l'air d'être numérotées. Je vois pas de différence entre elles. C'est ce qui est un peu dommage parce que... on aurait pu les collectionner si elles avaient des couleurs différentes. Ok. Ok. Et là, on a... Alors, le 59, c'est astuce meilleur quotidien. Aidons Aquaman à protéger les mers et les océans pour cela. Veillons à ne laisser aucun déchet sur les plages ou dans l'eau. Ce sont des bons petits conseils. Wonder Woman avec Superman. Astuce meilleur quotidien. Une fois son portable chargé, il est conseillé de le débrancher comme tout appareil en mode veille. Ce réflexe représenterait une économie de plus de 80 € à l'année, par l'année. C'est la 63. Et on a la 54. Sur 90, alors Mr. Freeze, début 59, taille 1m83 pour 86 kg, le docteur Victor Freeze, brillant cryogéniste, congela sa femme atteinte d'une maladie mortelle. À la recherche d'un remède, il subit un accident et devient un criminel sans pitié nommé Mr. Freeze. Donc on est toujours sur ces 90 cartes, effectivement. Je pense, les amis, qu'il y a au total 90 cartes à collectionner. Voilà, ça répond à la question. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on avait déjà eu du Marvel, on avait déjà eu mais des Cosmics, voilà. On a la 43 sur 90, Cyborg.
début 1980, taille 1m95, poids 175 kg. Oui, c'est du lourd. Blessé dans un ex après un accident, l'athlétique lycéen Victor Stone fut sauvé grâce à une technologie cybernétique hautement avancée. En tant que cyborg, il devient un titan technologique et un vrai héros de l'ère numérique. En fait, voilà, il y a différentes catégories. Alors, Zatanna, début 64, taille 1m75, poids 57 kg. Je pense que quand il parle d'une date de début, c'est la début du création du personnage. C'est la 20/90. Zatanna est une célèbre illusionniste et magicienne comme son défunt père, Giovanni Zatara. En dehors des tours de passe-passe à son public, elle utilise ses pouvoirs mystiques pour combattre les forces du mal. Ok. Et les vertes? Alors les vertes, c'est les astuces meilleurs quotidiens, et on avait en jaune, astuces santé. Voilà. Celle-là, c'est la 64/90. L'eau est une ressource qui se fait rare, donc halte au gaspillage de l'eau, par exemple, et s'écouler inutilement pendant une minute, c'est perdre l'équivalent de 4 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Ah oui, très très intéressant comme conseil. Franchement, c'est plutôt instructif, ces cartes-là pour les jeunes, c'est plutôt pas mal, les amis. Les conseils sont plutôt sympas et bien trouvés. Là, franchement, c'est très 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 intéressant. Ah, une carte différente, elles sont un peu abîmées, certaines. On a Superman. La 39/90, alors par contre, il me semble que elle se décolle. Ah non, elle est en surbrillance. Ok, elle est en surbrillance. Bon, là, il n'y a rien d'écrit. On a la 9/90, c'est Supergirl, début 59, taille 1m65, poids 61 kg. Adolescente Kara Zor. Elle fut propulsée sur Terre pour échapper à la planète mourante Krypton, dotée des mêmes pouvoirs que Superman. Supergirl est l'adolescente la plus puissante de la planète. Et on a encore une astuce santé avec Wonder Woman. C'est la carte 74/90. Il ne faut pas rater une occasion de s'amuser à l'air pur, seul ou avec ses amis. Il y a toujours une mission de super-héros à remplir à l'extérieur. Voilà, donc écoutez, ce sont des cartes plus de collection, les cartes au champ cosmiques. Donc par petite pochette, vous avez 3 cartes de jeu plus une vignette. Comme ça, c'est plutôt sympa, ça s'adresse plutôt aux jeunes. Vous avez des personnages cosmiques qui ont une propre carte, mais vous avez aussi des astuces meilleur quotidien en vert. Des cartes comme ça là, des personnages entières, bon, il n'y a rien de plus. Les astuces meilleur quotidien et les astuces santé en jaune. Donc c'est plutôt intéressant. Ce sont des astuces qui sont plutôt bien dites et qui s'adressent bien sûr aux plus jeunes et aux enfants. Voilà, donc c'est une nouvelle carte. C'est gratuit, ces petits boosters sont totalement gratuits. Si vous faites des achats à Auchan, vous les avez en caisse. Voilà, donc c'est 90 cartes différentes à collectionner. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.